C'est la musique parfaite, ça, pour recommencer. De retour dans Super Mario Maker. Oui, bon, on va quand même faire un essai. Mais que faites-vous? C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Oh, putain, on a apporté le bonjour, mais allô? Allô, au secours. Allô, Rich. Allô, Rich. Allô, Rich. Allô, 5. Allô, 6. Allô, 12. Bonjour, bonjour, monsieur Gardé Pentaro. Oui, bonjour. Que se passe-t-il? Mais que fais-tu là, toi, tonton? Je suis venu pour faire du skateboard. Mais oui. C'est ça, on m'a dit, viens du skateboard. Viens pour faire du skateboard. D'accord, et en plus, tu es nourri. Ah, tu viens faire du skateboard et il est nourri. Donc, vous mangez sur ma gueule pendant que moi, je fais le pire stage de l'histoire. Tu m'as rapporté à manger aussi. Ah, un macaron, j'aime pas. Je donne-le au gros. Merci. Oh, c'est incroyable, mais quel. Celui-là en trop. J'ai aucune envie de. Tu vois. Ah, c'est pour pas de paraître mal poli. Exactement. Voilà, mais c'est pour pas gâcher. Exactement. Faut jamais paraître mal poli dans la vie. T'as été vraiment très bien élevé. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est rien. Tu vois, c'est juste j'ai été distrait par la présence autour de moi. Trop d'intimidation. Très intimidant. Vie, je pense que tu le feras en une vie, oui. À peu de choses près. Une vie un quart. On va dire une vie un quart. deux tiers. Une petite vie un quart. Petite vie un quart parce que. Oh, probablement! Ouais, probablement. Mizou, elle aime ce qui se mange. Beaucoup. Ouais. Voilà. Et là on rigole. Ah, okay. Ouais, c'est bien ça. Alors, c'est bien, oui et non. Oui et non. Tu vas voir que ça va pas être drôle dans quelques secondes. Là. Tu peux vriller les scies ou pas? Non, les scies ne se vrillent pas, malheureusement. Alors là, il faut que je fasse un saut de l'ange. Donc on va le faire. C'est parti. Oh, j'y suis arrivé. Easy. Bah, fais un truc, Verdier. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis pas, ça a été qu'il a dit. Bah, tu sautes. Mais je suis arrivé à faire le saut le plus fulet. Et je prends un blocable, c'est dégueulasse. Je sais pas ce qu'il fallait faire. Il fallait que tu vrilles sur l'autre tomp qu'il y a en bas là. Tu penses? Ah oui, je pense, oui. Mais je sais pas, je me disais, j'allais attendre que le truc fasse fula et j'allais vriller dessus, tu vois. Mais on met dans un imbloquable, donc j'abandonne. Ah bon? Oh, ouais. Mais non, mais laisse-moi essayer. Mais regardez, c'est easy money. Mais sois réaliste, allez, hop, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dans Zaltar. Écoute, je veux bien te regarder, mais c'est vraiment parce qu'en ce moment j'ai envie mais comment on, j'ai envie de rigoler saute. En ce moment. Comment on saute? C'est la vrille. La vrille, comment on vrille? C'est L ou R. L ou R. Ah mais attends, mais voilà, je regardais la manette. C'est à peu près comme ça. Bah il faut ni regarder la manette, ni regarder le chat, ni regarder rien du tout. D'accord. Voilà. Et après vrille, c'est les. C'est L ou R. Hein, ah mais tu peux pas sauter puis vriller. Il faut vriller dès le début. Il faut vriller, ça saute. La vrille et le saut et la vrille. Ah d'accord. Et quand tu sautes une fois que t'as vrillé, ça fait le vrillé rebondi haut. D'accord. C'est un vrillé infini, c'est ça? D'accord, voilà. Ok. Ah donc vaut mieux vriller sur le celui-là de gauche déjà. Tu vrilles sur le gauche, tu reviens sur le droit, tu reviens sur le gauche. D'accord. Voilà, comme ça. Là t'as pris celui de gauche. Pour commencer. Donc c'est gauche. Attends, tu prends celui de droite. Gauche, droite. Ah d'accord, il faut. Bah oui, mais tu dis pas bien. Ah aussi. Si, j'ai dit gauche, droite, oui, gauche. Oui, mais tu dis. En plus, pour tu m'as vu le faire juste à. Oh là là. T'es trop occupé à manger. C'est ça, mais moi j'ai pas le son. c'est plus dur sans le son. Ah, je te donne le son. Non, j'ai pas besoin. Mais non, mais j'ai pas besoin. J'ai pas hop, besoin, c'est plus comme dur. Comme ça, je ractéris safe. Et là, c'est pas bon. Voilà. Ah putain, ouais, on peut pas rester non plus troppo lontano. Mais c'est bon, je vais. Oh, easy money. Comment t'as pas réussi à faire ça, Verdier? Je sais pas, ça me paraît trop facile en fait. Là, quand je te vois, je me dis putain, le sage, il est vraiment simple. Hop, en fait. Hop là. Hop. Plus, tu crées des choses. Là, et voilà. Faut réussir à passer dans le petit trou. Et tu vois, je suis le premier à être mort de côté là-dessus sur ce caillou. C'est vrai, c'est quand même une performance. Une performance assez incroyable. Mais du coup, le skateboard, vous allez en faire où, quoi, comment? Bah, avec toi déjà.
Et moi je ne fais que jouer à Mario Maker. Ah putain! Ça c'est propre. Là je crois aussi que tu viens d'inventer une mort. Ah ouais? Peut-être le meilleur inventeur de mort. T'es des maps, personne n'a pensé à mourir. Et toi tu réussis à mourir de cette façon quand même. Mais fais là! Mais il fait pas! Il fait pas, Verdier! Il fait ce que tu lui dis de faire. Mais oui, mais il m'a fait du bon mafé. Attends, oh putain! On va augmenter un peu le nombre de morts du stage parce que pour le moment, je pense qu'il a pas assez de décès le stage. Ah ouais? Alors attends. Ah oui, là je. Et voilà. Et voilà. Ah, oh là alors, là. Faut dire que tu dises. Après, oui, Trunks m'a dit de te dire que tu dises. Ah, okay. On va faire un périscope et qu'on va mettre le lien. Ah, on va mettre le lien vers un périscope où on fait du skateboard. Mais comment ça? Tu en mets le périscope dans le stream. Mais ça ne voudrait plus rien dire du tout. Mais ça, c'est la technologie. Ah oui, tu peux mettre une capture d'écran. Vas-y. Mais non, mais ça marche pas bien, périscope sur PC. Ah, ouais, c'est parce qu'il y a une surcouche aussi. Moi je sais pas, mais pour faire l'ancien faut dire surcouche. Moi c'est ce que j'ai compris. Ah mais parce qu'il y a une surcouche sur le PC, bah, c'est pour ça. Oh, j'y étais presque. J'y étais presque dans la surcouche. Tu fais un screen cap en fait du périscope que tu mets dans ton logiciel du capteur. Dans ta surcouche. Screen cap du périscope, ouais, on va. Mais surcouche a fermé, hein. Moi j'y allais avant. Oh putain merde. Alors periscope.tv lecture. Voilà, wow, here we go. Oh là, bon, ça fait du bruit, hein, c'est chiant. Comment on fait pour trouver des gens? Bah la surcouche. Et tu prends le lien. Ah. Mais lance. Et là y a pas de mais périscope. Lance. Vas-y, lance tout, lance le périscope. Mais ça se fait. T'as pas le wifi guest, Webedia? Oh là là, mais je te jure, mais à quoi on te paye, hein? Alors oui, j'ai testé Pocket Rumble. T'as testé Pocket Rumble? Non, je comptais le faire lundi dans un petit jeu indé. C'est un petit jeu indé en plus. Mais moi aussi, je comptais le faire lundi dans le fera versus. Bah, on le fera tous les deux. Bah, c'est bien, comme ça, je ferai du trading dans un petit jeu indé. Après, je vais me baiser. Non, hein. Moi, je joue le petit en short, hein. Tu me baisses pas. Hein. Tu prends qui tu veux, mais moi, je joue le celui-là en short. Hein. Le Ryu, quoi. Je sais pas, il est en short. Moi je joue. De toute façon, il y a que deux persos donc tu me baisses pas. Bah, tu t'affloates. Tu t'affloates. Ça, c'est normal. Hein. C'est les sticks Xbox, ils se salissent. Non, mais là, le mec il l'a rongé, quoi. Sérieux. T'as vu ça? Mais t'as vraiment appelé ton émission. Ouais, on l'a depuis Mathusel. T'as vraiment appelé ton émission un petit jeu indé et tu le fais même pas sur la chaîne Rétro Indé. Parce qu'on parle bientôt karaté sur la TV Pokémon, on parle karaté sur la TV Rétro Indé. Alors est-ce que c'est vrai? Karaté dans votre salon? Karaté dans votre salon, karaté chez vous. J'irai karaté chez vous. Les gens attendent le périscope, hein, ils sont saucés. J'irai doser chez vous. Ils ont pas regardé de périscope depuis celui de Julien Chiez aux États-Unis. Donc, ah ouais, ils sont en manque de ouf. Ah, et on n'a pas parlé du wifi dans les avions qui permettra de périscoper sa propre mort. Non, ça permettra pas de périscoper parce que dans les avions, le wifi il bloque les applis streaming. D'accord, et périscope c'est un appli streaming quand même. C'est du stream de la vidéo évidemment. Mais peut-être c'est juste un enchaînement d'images ou un upload d'images continu, tu vois. Non, parce que c'est pas du MJPEG du coup, c'est du HD. D'accord, donc on ne pourra pas streamer sa propre mort, ce qui est vraiment dommage. Voilà. Ah ouais. C'est vraiment dommage. Si tu restes près de la porte en fait, c'est bon. Karaté sur la powerplay, on en parle ou on en parle pas? Bah j'y vais là. Ah oui, c'est vrai, powerplay de... De skateboard. Déjà ça. Il est pas évident ce stage en fait. En fait, non. Ah là là, guerre et périscope. Guerre et périscope, quelque part, oui. Je suis le créateur du stage, désolé. Dit karaté que c'est moi qui avait l'intro de Street Fighter Wax sur e-live voilà, à l'époque. Alors, le lien, vas-y. T'aimes bien les macarons, allez, toi? Le lien est sur le Twitter. Là. Le lien est sur le Twitter. Lien sur le Twitter, très bien. Donc là, le... Ah merde, mais attends, mais oui. Oh là là, il y a du son. Comment on fait pour enlever le son? Mais le lien est déjà balancé. Oh putain. C'est parfait. Capture d'écran, regardez, c'est incroyable. Non mais non, parce que bouge. Attends, parce qu'elle a basculé son affichage. Non mais c'est pas grave, de toute façon. Bah si. De toute façon, on ne voit qu'un. Cette partie. Voilà, tu vois, t'as été boqué parce que maintenant, faut refaire ton. Cette partie de l'écran ne servait à rien de toute façon. C'est incroyable. Nous sommes en train de vivre une expérience de stream absolument hallucinante. Explique comment. Explique, monsieur.
périscope plus. C'est de la merde, XSplit. Voilà. On est d'accord, cette, cette partie du stage ne sert à rien. Très bien. Donc allez-y, hein, allez faire du skateboard. Pendant ce temps, nous on joue à Mario. C'est pour ça que tu fais un un périscope-ception. Donc viens avec nous. Bon. J'arrive, c'est imminent. Et on va le chercher, c'est skate pas, tu vas parler avec mon karaté. Ça marche. Putain, voilà, mais t'as déjà mangé la moitié de ton macaron. Ah merde, mais tu meurs si tu restes là. Allez, donc, tu... Ah, faut balancer le lien sur mon chat. Ah putain, sa mère. Ok, d'accord. Donc, je RT plus follow plus balance le lien sur ton chat. Plus bouge ton cul, viens avec nous. D'accord. Alors, attendez. D'abord, on fait ça. Je balance le lien sur mon chat. Voilà. Extraordinaire, magnifique. T'as de l'eau là, parce que j'avoue que. Oh, enfoiré. J'ai tout bu pour être sûr. Bah ça y est, c'est fait, moi j'ai tout fait. Ah, c'est bon. Un professionnel du stream depuis 2011. Parfait, s'il son vous pas, plaît. Oh, j'ai l'impression, tu te rappelles, ça donne l'impression d'être chez dans E-Live. Ah. Ça fait très E-Live hein, quelque part. Oh là là, putain. Ouais, il faut que t'ailles surfer maintenant. Ah ouais, faut que t'ailles surfer. Ah. Les gens vont pas comprendre pourquoi tu meurs tout le temps là. Non, mais j'allais y arriver là. Il ambiance hein, ce stage. Donc, le créateur du stage nous fait dire quand même. Donc, déjà qu'il s'excuse pour ce stage, mais t'as pas à t'excuser, c'est un très bon stage, juste il faut y passer le temps. Et il me dit de te dire que c'est lui qui avait l'intro de Street Fighter Wax sur E-Live à l'époque. Alors, c'est lui qui l'avait fait. Je suppose que c'est lui qui l'avait fait. Ah ouais, ah oh bah c'est un mec craqué alors. Donc, le mec il a fait le stage de Mario Kaizo, l'intro de Street Fighter Guac. Grosse intro hein, grosse intro qu'on a perdu à cause de Verdi hein. Mais n'importe quoi, je l'ai sauvegardé. Le 1. Bah j'ai sauvegardé le meilleur. J'ai pas pu sauvegarder tout ce que je pouvais. Et je te les ai repassés en plus, gros sac. Bah oui, non, mais à cause de Verdi. C'est à cause de Verdi si les serveurs Amazon sont fermés, qu'on a perdu l'intégralité de ce qu'on avait fait sur E-Live. C'est pas à cause de Verdi. Vous croyez que j'ai perdu combien d'heures de travail, moi aussi? Ouais, mais toi, on s'en fout de tes trucs. Bon, là, c'est mort. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? J'ai pas réussi à prendre le truc. Ah, t'es passé! Bien joué! Mais fallait que j'attrape le P! Gros passage. Gros passage. Oh, incroyable, on voit GL Trunks dans mon stream. Et il stream le stream qui le stream. Oh là, GL Trunks, c'est vraiment un mec des ambiances. Alors, on va voir ce qu'il raconte quand même. C'est parti. Je mets le son de GL Trunks. Attention à vos oreilles, bien entendu. Oh là là, sa mère. Oh merde, il est où le son de GL Trunks? Là? Mais oui. Et du coup, voilà, mais là, le truc, c'est qu'on va perdre le wifi, à mon avis, et qu'on va être baisé. Je ne pense pas. C'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Et moi, arriver là-bas. Ils ont peur de perdre le wifi. Quelle terrible erreur. On va voir. On invente des choses hein, sur GL. Hein. On invente vraiment des choses. Alors là, vous pouvez voir les voitures dans le parking de Webedia. Et donc, la Verdier peut nous entendre. Ah, ah ouais, on vous entend. Bisous, bisous, mon très cher Trunks. Bisous, monsieur Caracol. Bisous, voilà bisous. Comment on fait avec les patrons. Voilà, c'est on comme est tout seul dans le parking. Ah putain. Tout seul dans le parking avec les patrons. La belle voiture, une belle Mercedes au confort. Regarde, il y a un mec que je peux bannir en direct. Tu vois François là. Hop. François, tu vois, t'as banni François, un truc de fou. Voilà, je viens de le bannir en direct. Il a banni un mec sur le chat, mais c'est hallucinant. Ah putain, mais quel talent ce truc. C'est magique. C'est incroyable. Il a Timoud, ça va. Il a Timoud François. Ah quel talent. C'est le purgatoire. Ce stream, je pense que ce stream restera dans les annales des sphincters. Ouais, en fait, quel stream extraordinaire. Regardez, Pentaro fait du skate dans le parking. Et il a un autre skate. Mais c'est pour toi l'autre skate, toi t'es un mec du skate. Moi je suis un mec du skate. Eh bah vas-y, va skater. Il est content. Il est content, Trux, il est content. Il y a multi-stream de stream, il est content. Ça va me déconner. Il est content. Ça va me décoiffer. Retire la musique de Mario, d'accord. Retire la musique de Mario. Je monte sur le skate. C'est un des protège-poignets, protège-genoux. Gros stream. Ça décoiffe pas, ça. Je monte sur le skate, mais je ne mets pas le casque. Mais non, mais monte pas là-dessus, Trunks, tu vas te casser la figure. Monte là-dessus et bois de l'eau. Pour ta sécurité, tu ne veux pas te décoiffer. Waouh, Trunks, il fait du skate. Ah, mais j'ai regardé Trunks qui fait du skate. Trunks, il fait du skate. Alors, Pentaro, montre-nous ce skate Bluetooth. Alors,
Donc ouais, il y a l'enceinte dessus, c'est pour c'est le là. Journal du hardware. Ça, c'est une planche de skate typée plutôt fin 90. Ouais, typé fin, large, fin 90, hein. Le journal du t'es, dur. T'es typé fin 90, ça, toi ça, aussi, d'ailleurs. Ah, moi ah bah oui, ça, c'est le short, c'est sauf fin 90. Attends, on va se mettre de l'autre côté, parce que là, t'es dans l'ombre. C'est l'hiver, quand même. Mais c'est quoi, cruiser? Autant l'hiver est clair que l'hétéroclite. Ah, il non, mais t'as un short sur ton pantalon, tout le monde le sait. Ah oui, bah ça touche. Tu vois, carver un peu, faire des belles courbes. Carver, c'est faire des belles courbes comme ça. Tiens, il faut que j'aille boire de l'eau. Va boire, va boire de l'eau. J'ai enchaîné le macaron plus le pain au raisin. Plus le pain au Red Bull. Le pain au raisin, j'ai... Le pain au Red Bull, c'est chaud. Hein. J'ai le diabète, là. Il a le diabète. Mais il n'en est pas plus bête. 1, 2, 3, 4. Moi, je veux qu'on teste. Ah, on va prendre une c'est facile quand même. Ouais, c'est pas pourquoi il c'est pourtant voilà, tellement simple. La prêter, si tu veux, donc, voilà. Regardez et, comment et, c'est simple. En plus, on fait pas de skate quand il pleut parce que ça abîme les roulements. Donc voilà, donc ça c'est une planche qui est vraiment faite pour faire des gros virages. Se mais qu'est-ce qu'il a fait ce gros sac, je l'ai entendu crier. Des petites pauses de BG. On se court. Sans les mains, sans les mains. Parce que j'ai bien vissé les trucs. Soit tu prends mais qu'est-ce qu'il raconte, Pen Taro. Coucou tout le monde. Ah, le voilà! Ouais. J'ai entendu crier! Biscuit, tu vois, quel tu sac à merde! Oui! Ah, oh, bah c'est mort! Jamais je pourrais atteindre ça! Mort d'un stage! Regardez ça! Ce qu'on va faire, c'est que bon, Mario Maker, on est d'accord, tout le monde s'en fout! Hein. Ah non, la lumière! Parce que personne n'en a rien à foutre! Donc je fous de ça à fond! Voilà, ici, comme ça! Non, non, c'est là! Voilà. Bonjour, on est sur GL et on va y aller. Hein. Je pense voilà. Que c'est mieux. Hein. Je pense que de toute façon, quitte à faire, on y va. Quoi. Je sais pas comment s'arrêter par contre. Regardez Pentaro comme il sait pas comment s'arrêter. Allez, c'est qui a une barre de son à 1300 euros pour jouer du MP3 en Bluetooth? C'est moi. Vas-y, voilà, répète-le moi, merci. Bon alors, attends, on va récapituler. La karaté est sur une planche de skate classique. Voilà. Là, c'est cool, un type old school, mais classique. Là, c'est un longboard. Là, c'est un longboard, donc c'est beaucoup plus flexible. Donc, il y a déjà la différence entre un skate et un longboard. C'est quoi En fait, le longboard est beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible. Vous voyez, en fait, là, le poids est beaucoup plus réactif quand j'appuie dessus. Donc, t'es plus. Pour faire des courbes, plus courtes. Tu peux plus tourner. Pour faire des courbes. Ah oui, voici Ken Begard, on dirait. Alors, c'est n'importe quoi. Ça veut juste rien dire. Ah là là. Voilà, ces gens-là ont un salaire. Voilà ce qui se passe. Il y en a un des deux, c'est en CDI. Hein. Attends, on va laisser Pentaro continuer. Ouais. Si vous voulez en faire à deux, mettez-vous là-dessus, parce que là, il y a plus de place. Mais il va craquer ton skate viens, avec viens, le gros. On en fait à deux. Tu vas pas mettre le gros. Trunk, c'est pas très gentil, ça. Genre, toi, t'as ton skate. On va mourir. Mais... Mais... Ken Bogard, il est connecté. En fait, il a déjà fait du skate, lui. C'est pas je baisse le dos, voilà. C'est un joli petit boule, Ken Bogard. Oh là là, oh là. Ça, c'est la technique de la brasse, en fait. Ça, c'est la technique de la brasse. Bon, c'est consternant. C'est consternant, je dirais même. C'est consternant. Mais là, en fait... Oh non. Oh, quelle merde. Ça va? Ça va. Là, tout va bien. Tout va bien. Regarde, c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Regardez-moi ce joli petit cul. Regardez-moi, il est tellement sexy. Voilà. Mais putain, voilà. Mais voilà, c'est la déchéance d'un homme. Il était la voix du versus fighting en France. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là okay, là, regardez, les gens, bon, on va vous finir. Vivez tout ça en live, hein, j'enregistrerai la VOD. Attends, on pourrait faire un défi. Attends, il faut qu'on fasse un défi. Hein. Un défi? Pentaro, viens là. Attends, il faut que Pentaro il descende la pente. Pentaro, viens, tu vas essayer de descendre la pente. Okay. On va faire un défi, Pentaro. Ouais, moi je peux pas descendre la pente. Tu vas essayer, mais par contre, Mizou, toi oui. Dépasse pas d'ici parce qu'après ça va couper. Après moi, ça va couper. Moi je suis pas en live en fait, mais toi comme t'es en live. Voilà, ouais, nous. Regarde pas tes pieds, regarde devant toi. Tu fais chier. Le coup. Eh, mais ils sont nuls à chier quoi. Il a tout laissé dans le bonhomme. Qu'est-ce que. Elle est où la planche de skate? Merde! Où est la planche? Regardez ce qu'il a fait! Regardez ce que j'ai fait! Oh là là! J'ai pété le. Jusque au rétro, hein, c'est allé, bien sûr! Et où est la planche? Oh, regarde ce que t'as fait aussi là! C'est pas bien! C'est moi aussi ça! Mais c'est dangereux ces trucs en fait. Bah t'en as déjà fait ou pas dans ta vie? Oh là là. Putain, les mecs ils ont vraiment pas peur. Ça c'est les protections, il y a protège genou, il y a protège. Regardez Pentaro, il a le style lui. Et il y a
des jeunes délinquants aussi sur le parking de l'école. C'est grave. Youhou. Oh là là. Allez, on va rejoindre Verdier quand même. Rejoignons Verdier. Pentaro, il sait faire. Hein. Ouais, Pentaro, il sait faire. Pentaro, c'est un jeune, un vieux, mais il a la jeunesse éternelle. Ah, il a trouvé le secret de l'immortalité. Il a laissé le boulet de cristal. Regarde ça, ce style, regarde ça, ce mec. Waouh, 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 waouh. Putain, Pentaro. Ça, c'est niveau primaire. Hein. Putain, mais moi, tu m'impressionnes. Niveau primaire, hein, attention, ouais. Si vous savez faire ça. Ah, ouais, ça serait vraiment. L'équipement. Ah. Je me suis fracassé un poignet. Fais attention. Verdier apprend à skater. À rider, je veux dire. Là, t'es stable et tu regardes devant toi. Professeur Pentaro. Voilà. Et là, c'est bon. Oh, essaye celle-là, elle est plus stable. Essaye la celle-là. Non, mais on s'en fout. Non, non, on va essayer. Ah, oui, le Bluetooth. Connecte. T'as pas ton téléphone qui est branché à ça? Et tu balances ta musique. Alors attends, je vais essayer. Oula, 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 oula. J'espère que t'as une bonne assurance. Il a failli binguer une voiture. Non, mais oui, il casse les voitures depuis. Alors comment on perd? Là, je suis sur Bluetooth. Ken, ramène-toi. Regardez-le. Oh là là. Pendant que Monsieur Karaté s'équipe pour les sports extrêmes. Mais tu peux mettre des bons punch avec ça. Hein. Alors, One punch man. Le free fight. Le free fight, c'est ça. Alors vas-y, on va essayer de le connecter. Donc là, en fait, tu vois, j'ai cliqué. Donc en fait, tu mets en fin de. Mais tu vois, ça, il faudrait que je filme. Bah, si je le filme, non. T'es vrai gosse. Attends, non, ça je vais enregistrer. Alors, professeur. Alors attends, je relance. Ça y est, t'es déjà essoufflé, toi. Alors voilà, Pentaro, tu vas nous montrer. Alors que Ken Bogard. Oh, tu es magnifique. Ken Bogard est très fatigué. Tu vas nous montrer comment on connecte ce skateboard en Bluetooth. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc sous le skate? Ça en fait c'est la batterie, d'accord. Et l'émetteur Bluetooth. Il donc est où, là j'ai appuyé, vous voyez ça clignote. Il est là sous les pieds de Pentaro. Il recharge les appareils Bluetooth. Voilà, exactement, donc là quand tu actives ton Bluetooth, tu vas avoir marqué skate SB. Ouais. D'accord. Je le connecte. Tu le connectes et ça fait comme un haut-parleur classique. Et comment ensuite tu règles le volume, etc. C'est avec Depuis ton smartphone en fait. C'est depuis ton smartphone. C'est ça. D'accord. Combien de temps d'autonomie? Ouais, il y a à peu près 6 à 9 heures d'autonomie. Ça va, 6 à 9 heures de longboard, t'as le temps d'être crevé. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, bah écoute, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est que je vais couper, on va essayer de le pérer. Ouais. Et ensuite, tu vas pouvoir te balader en écoutant Nick Ordi, Carlos, ce genre de trucs. Ouh, donc voilà, de retour juste après. La hype. Là, j'ai coupé, maintenant je vais essayer de le pérer. Attends, mais non, reste. Mais c'est des gamins. C'est des gamins, depuis tout à l'heure, je vais faire le truc et ils arrêtent pas de faire les cons. C'est ouf. Vas-y. On essaye d'enregistrer un sujet pour le JDH, on est sérieux et, bah, on est et voilà. Sérieux. C'est du travail. Donc là, Bluetooth. On travaille actuellement. Ouais. Et là, normalement, il va me trouver skateboard machin. C'est ça. C'est ça. Mais après, si tu vas trop loin. Ah bah après, il faut. C'est quoi le Bluetooth? Fais voir. Ouais, c'est 10 mètres à là, je trouve ça. Vas-y, c'est ça doit être ça, je pense. Hein, c'est lui, il balance. Ça, ouais, ça va, tu vois. GSB, Globe Skateboard. C'est ça, okay. Vas-y, sélectionne. Hop. Et là, ça va faire de la musique dans ton skate. Oh là là, Trunks, on dirait un gosse à non, Noël. Mais c'est mortel. Tu vois, après, c'est vert. Tu peux faire chier tout le monde. C'est vert. C'est pairé. Donc je suis connecté. Et en plus, t'as les 3 lettres d'allumé, donc en fait, il est chargé à fond, tu vois. Et donc maintenant, est-ce que j'ai Spotify? Je vais sur Spotify. Non, tu sais quoi, je peux même lancer Hearthstone. Et on va entendre Hearthstone. Je te jure. Mais c'est nul ça. Mais non, c'est pas nul. De ton truc. Non. Moi, je vais jouer Hearthstone sur mon skate. N'importe quoi. Mais putain. Regarde, normalement, on va l'entendre là. Eh mais c'est magnifique la technologie quoi. Sauf que t'es en wifi là ou en 4G? Je suis en wifi. Ah bah voilà, on nous a coupé la lumière. Faut ouvrir la porte, ouais, vas-y. Non mais là, t'es, à mon avis, c'est le proxy qui bloque, hein, il va pas se lancer ton jeu. Mm-hmm. Ah tu crois? Oui. Donc balance une musique normale. C'est quoi cette chiasse? Balance de la musique, cherche pas à faire des trucs, mais même okay. À Spotify. Alors je mets. Je mets Dr. Dre. Ah ok. Vas-y, augmente le volume. Ah c'est bon ça. Attends, on entend Mizo, rapproche-toi. Bah oui, on entend. Putain, mais c'est bon, putain. Tu peux te tuer en musique. Ah par contre, regarde, ça saute un petit peu. Ouais. Ah, ça saute un peu. Après, si tu l'as, vas-y, balade-toi avec. Oh là, Pentaro, il n'est plus blanc. Regardez, il devient noir à vue d'œil. Et là, ça, c'est un vrai Renoir. Oh là, Pentaro.
Oh là là, mortel, putain. Ah, ça tue. Ouais, bédia, bitches. Mais c'est trop bien. Est-ce que vous entendez la musique dans le périscope? Je pense que oui, hein. Le fais pas tomber, hein. Ah. Ouais, ouais. Gros son. Moudada. Oh là là, karaté. Là par contre. C'est les X-Games là. C'est les X-Games. Vas-y, reviens. On a entendu un bruit là-bas. Vas-y, filme pas putain. L'autre il nique les voitures dans le parking. Mais non, il nique pas les voitures. Il fait exprès. Il dit c'est lui alors que c'est pas vrai. C'est bon, y'a rien. J'ai déconstruit et constaté par l'huissier, il n'y a rien, Bon, maintenant on va tenter un dernier truc. Karaté, tu veux tenter la descente là? Tu tentes la descente? Ça, ouais, c'est fou. Je vais tenter toi si tu veux. Eh, toi t'as un casque. Qui c'est qui tente la descente? Vas-y, refile-moi le téléphone. Je vais tester la descente avant, ça va. La descente, hein. Ratrunk, ce style. Bon, c'est sympa, hein? Juste. Je pense que je me suis fracassé un poignet. Ah bon? Non, montre ton poignet. Non, mais là, on voit pas. Ah, je peux venir jusqu'où? Jusqu'où? Je peux faire du skate si tu veux. Moi, j'en ai déjà fait l'autre jour, merci. Avec celui-là en plus, hein. Jusqu'où, Trunks? On sait pas jusqu'où on peut avoir le wifi, en fait. Donc voilà, de retour sur le direct, on a donc relié le... Mais il va... Il va mourir. Ouais, assis, c'est safe. Ah ouais, enfin, disons, il se fera moins mal. La pente, c'est chaud, hein, les gars. D'organes. Il le fait pas, hein. Le courage d'un homme. Il va mourir, Verdier. La mort en direct du champion. Il va pas le faire. Il va pas. Oh putain! Ah! Oula! Oh! On sent le joueur de Mario Kart, hein. Alors, qui va faire la prochaine descente? Oh là là, quelles ambiances. Eh bien, de retour dans Super Mario Maker, une émission de qualité, si on ne veut, où on parle de sujets de société et on teste pour les futures émissions. Oui, c'est très important, toujours la prudence et le respect des darons. J'ai cassé une voiture, j'ai les mains noires. Ça ne se verra pas sur la manette noire, donc... c'est bon. Pas de panique. Ah putain. Ah.
J'ai cassé au moins 3 voitures, mais je pense que les propriétaires ne m'en voudront pas. Dans le journal du hardware, ce que j'ai posté là. Mais tout ça, on l'a filmé en direct. Eh oui, oui, ça sera pour le journal du hardware, bien sûr. On a mis un stream dans le stream. Oui, oui. Mais non, je n'ai pas cassé de voiture. La planche, elle passait. Les gens, ils se parlent. Regarde ça. Les gens, ils parlent aux autres gens dans le chat du stream via le chat de Periscope. Aïe. Ah ouais, en fait, les mecs de Periscope, c'est dur, hein. Avec les gens de Twitch. C'est ça. Franchement, je vais crever, je suis trop vieux pour ces conneries. Attends, complètement trop vieux. Ken Verdier pour skater, Bastien. Bah oui. Bastien quoi? Ville. Ouais. Il me faut attendre parce que moi il me faut un. Il me faut un niveau. Donc, on prend un niveau. Et bah voilà. 3D. Donc personne fera la descente là. Bah moi je l'ai faite. Moi j'ai fait la descente. Après j'ai failli mourir, hein. C'est vraiment très dangereux, faut pas faire ça. Faut vraiment pas faire ça. C'est pas bien. On peut pas avoir de la musique. Le quand même parking. De musique qu'on teste. Parking. De Webedia. Ça glisse. Ça glisse pas. Ok. Ok. Allô. Et personne fait la descente. Bah ils osent pas. Magnifique magnifique stage. Mais oui, c'est pas de Rotados à moitié speedrun, à moitié si checkpoint. Si moi je mets Twitch, le son de Verdier dans Twitch sort par le skate. Ah oui, putain, il peut faire sortir mon son par le skate. Le MMC Ken Mobile, bah c'est la voiture tout pourrie que vous voyez au fond. On entend la pub dans le skate. Mais mince! Oh putain, j'avoue, vu que la terreur, Roulette Rider! Faut que Trunks se déconnecte! Roulette Rider, c'est moi! C'est tellement moi! Je tente tous les dangers, rien à foutre, moi je fais les stages! J'ai plus rien à perdre! Tess, ton skill, il me faut mon oxygène! On va passer par là, y'a pas l'air d'avoir beaucoup de temps! Ok! Ok! Et là, c'est ton son, tu mets un Spotify, y'a un chat! Ok! Ah ouais d'accord, c'est un peu chiant quand même. Mais ça va, je crois que j'ai compris. Ok, non, il n'y a pas de temps, 500 secondes. C'est un test de skill pur et dur, d'accord. Un petit son du bled, mon gars. C'est bon, tu l'as atterri. Ah merde. Oh le son. Ah merde. Ah merde. Vas-y, montre-nous. Putain, mais il a vraiment des sons comme ça lui dans son téléphone. Attends, je vais t'enregistrer là. Ça voilà, c'est stylé comme niveau. On rigole, on s'amuse. Merde. Oh là là, Pentaro se la raconte trop là. J'aimerais trop qu'il se casse la gueule. Étant donné que c'est moi qui ai son casque. C'est pas du flac, non. Qui se fasse très très mal. Attends, mais c'est tellement stylé, moi je vais m'acheter ça. Trunks, hein. S'il va acheter un skate. Mais genre, Trunks, il va en faire. S'en bat les couilles, y'a rien ici. Pour vérifier. Je vais crever. Il me faut ma bonbonne d'oxygène. Où est mon sac? Où est mon sac? Putain, c'est incroyable comme le temps passe pas vite quand on fait ce genre de truc là. Où mon sac? Ah, le fils de pute, il m'a volé mon sac. Putain, c'est cette voiture là que j'ai cassé. Si Pentaro meurt, je peux récupérer sa GTX. J'avoue. Et ses PC, c'est Xbox One. Tu vas venir sous la pluie? Je crois qu'il a tout légué à Trunks. Le son est correct. Il y a tous les gars qui errent. Merde, je suis plus concentré de rien du tout. Alors, je suis pas sportif du tout. Ah, je fais deux trucs comme ça, je suis en sueur et je vais crever. J'ai besoin de mon j'ai besoin de ma pantoline. Ah, je suis le petit blanc asthmatique des Mais merde. Regarde les Pentaro, cette aisance, cette fluidité du geste. Je vais crever. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ces sons du mal? Allez,
Allez, Hogar, tu veux monter dessus? Ah, monsieur Hogar. Ah, bah voilà Hogar qui arrive. Bah, alors, la personne qui travaille chez Webedia, si j'ai bien compris. Ok, c'est passé. Hogar, il est intrigué. Quoi, ça sert ça? Je comprends pas. On fait un périscope en direct. Et là, j'ai enregistré des vidéos, on va pouvoir les montrer. Ok, ça sert sûrement à rien. Vers l'intérieur. Ah, ça servait à ça, d'accord. Ça servait à rien, bien sûr que si, ça sert à quelque chose. C'est rare les trucs qui servent à rien. Je me suis fait baiser. Envoyez des petits cœurs pour l'encourager. La réunion des thugs. Pas trop. Les thugs de Levallois. Impeccable. L'élève n'est pas très doué. Il essaye. Hein. Non. Un nouveau stage de Street Fighter 5 ou ça? Ou ça? Fais des squats sur le skate en fait. Je me suis tué en faisant deux mouvements sur un skate, c'est quand même violent. GG. Ça ah, le pro. Je sais plus. Bah oui, t'as réussi un peu. Salut. Je sais plus où je suis. Attends. Des bisous. Bye bye, Mizu. Bye bye. Ah mais attends, on peut pas couper, il y a Louise. Il y a Louise. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? 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 Attention, en direct hein. Oh là. Elle a pas confiance, elle veut pas se casser la gueule. Mais bien sûr que si, qu'elle a vu. Évidemment qu'elle a vu, évidemment qu'elle sait. Elle sait toujours, Louise. Elle ne se trompe jamais. Elle a peur. Ah, ça se la raconte. Oh, Pentaro Louise. Petit rapprochement. Quel talent incroyable. On dirait. On dirait un phasme sur une boîte d'allumettes. Elle est goofy. Louise est goofy. C'est mal barré. Joue, Chétane. Je joue. Je joue! Je joue! Je joue! Promis, je joue! Ah, mais non! Ah, c'est bon, voilà, emmène-la dans une voiture! C'est stylé ce moment-là, le calcul. Ah bon? Non, je pense pas que ce soit possible. Monsieur Pentaro est marié. Hein. Je vous le rappelle. Bleh. Allez. Dans la descente. Il a changé, Pentaro. Mais non. Mais non. Mais non. Allez. Oh là là. Putain. Eh ben non, raté. Grosse ambiance. Va tuer ton behemoth plutôt, j'avoue. Ouais. Oh là là. Ah, c'est tourné ou pas? Ouais. Il a failli avoir choc. Mais je suis tellement mort en poule. Il veut rien dire ce stream. Hein. Ce stream n'a aucun putain de sens. Faut travailler hein, des fois. Bah oui. Hein. Mais y'a personne qui bosse, y'a que moi qui bosse dans cette boîte de chiottes en fait. Allez tonton! Tout ça pour vous divertir, hein. C'est incroyable quand même. Hein. Jusqu'où on est capable d'aller? Mais une non! Figure! Voilà! N'importe quoi. Ce stream avait-il un sens au début? Mon Dieu, mais nous. Là-bas. En fait, le gros porc a piqué toute la nourriture à Louise, ce qui explique la différence entre les deux. Oh
mort. Je sais pas ce qu'ils essayent de faire exactement. C'est pas du tout par là qu'il faut aller hein, si tu veux sortir. Incroyable. C'est à l'autre bout. Allez, il faut que j'y... Là, je suis concentré. Bon, nous, on va le gros, rentrer, arrête hein. de me déconcentrer, le gros. Le gros. Je vous laisse une dernière vision sur les deux zigotos derrière. Oui, mon amour, rentre, rentre. Retourne travailler. Parce qu'il y en a qui doivent aller bosser. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Allez, là, je l'ai. Voilà. On va découvrir l'autre partie du stage. Bye, bye. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? S'ils vont dans la voiture, ils vont tout remettre dans la voiture. Bon, ah, bah, on vous remercie hein, de nous avoir suivis pendant ce petit périscope. Oula! Non! Il va me casser la gueule. Nous, on va remonter le petit pour Verdi. Ah oui, Tu es venu me voir, ma chérie. Je suis là. Ah, mais moi, je l'aimais bien, ce putain de casque. Ouais, d'accord, je vais redonner... Je vais redonner le casque. Ah. Voilà. Ah merde, j'ai accroché. Non mais tu le feras toi-même. D'accord. Bisous. Bisous. Je suis mort, décédé, complètement. Complètement décédé. Ah putain, je suis complètement crevé. Allez, je remets le son du jeu. Ah. Ben voilà, c'était la partie de skate chez Gaming Live pour tester le skate Bluetooth pour le journal du hardware. Le journal du hardware, c'est tous les lundis de 17... non, en fait, de 18 à 19h30, je crois, c'est ça. Je dis pas de bêtises. Et ça teste plein de trucs. Tous les trucs que Pentaro peut avoir, je pense, avec lui. Allez, explose! Et maintenant, nous revenons. Alors que vous retrouverez bien sûr Monsieur Karaté sur Dark Souls. Il me semble plus tard dans la soirée. Non, mais non. C'est une blague. Ah non, c'est pas une blague. Ça n'est pas une blague. Journal de hardware sur les sticks, c'était lundi. On a fait un journal de hardware lundi dernier, là, bah ce hier, sur les sticks. Voilà. Vous pourrez revoir ça en VOD, de toute façon sur GLTV1, ou alors vous pouvez déjà revoir ça en VOD sur Twitch. Bon, je pense pas que ce stage soit fondamentalement difficile, mais... C'est pas pourquoi. Peut-être la fatigue, car oui, je fatigue très vite. Ouais, karaté sur Dark Souls, ouais. Ouais. C'est pas ce soir, hein. C'est pas ce soir. Non, c'est pas ce soir. C'est quand, vous qui savez. Bonjour, Pentaro. Il est là. Je te l'ai gardé au chaud, hein, bien entendu. Il est collector, maintenant, en plus, tu l'as porté, donc. Ah bah oui, bah, ça c'est... Aïe. You. D'accord, okay, bon, bah, je suis mort. J'ai du mal. C'est ça. Tu peux. Il est plein de sueur. De sueur, de béret. C'est ce soir que tu commences Dark Souls, tonton, c'est ou pas soir. C'est ce soir, d'accord. Ouais, c'est bien ça, c'était bien ce soir. Easy, ce stage. Ce stage est déjà beaucoup plus facile que l'autre. Le stage qui est plus dur. T'es plus facile que le stage plus dur, oui. Oui, c'est ça. C'est carrément ça. Pourquoi tu veux l'exploser? Ah, il la faut. Ouais, il la faut, ouais. Il la faut pour la poser là. Là, ou environ là. Et pour exploser ça. Oh, c'est la faille. Bon, tchuss. Pentaro, merci pour tout, hein. Ouais. À bientôt. Rentre bien. On testera ton système de son après, hein, en périscope, bien sûr. Le vrai système de son. Ah, tous les systèmes de son possibles et imaginables. Vous n'êtes pas prêts, sérieusement. Nous ne sommes pas prêts pour le système de son. On se jette à l'eau, la flaque, tout ça. C'est... On se jette à l'eau, la flaque, avec Roberta. T'as fait l'école de l'humour. Non, j'ai su, c'est un clown, c'est l'autre, moi. Ça, ah, c'est toi qui. Ah, mais attends, c'est les profs, ouais, tu sais. Bye bye, Pentaro. Salut. C'est...
Tu peux fermer la porte, hein, tu peux. C'est ça, à l'école, il y avait ceux qui avaient sucé un clown. Et au début, tu comprends pas, mais en fait, quand on te dit t'as sucé un clown, c'est assez dégueulasse quand même quand on te dit ça à l'école. Je sais pas. Bah si, t'as déjà sucé un clown, toi? Bah oui. Mais t'as pas sucé de clown, t'es dégueulasse. Ça suce pas des clowns. Krusty le clown. T'as sucé Krusty le clown? Ça, par contre, c'est un achievement. Quelque part. Alors, tu sais, Krusty le clown. Oh là là. Bon, c'est la, bon, c'est la base. C'est environ. C'est la base. C'est environ la mort. T'as déjà fini un stage? Ouais, plein. J'ai fini un. Tu te rends pas compte, hein. J'ai fini un. Je crois que je me suis enculé. Un 16 man expert. Bah, j'ai failli mourir dans la descente, moi. Ouais, je me suis enculé le poignet. Tellement crevé toute ma vie. Sacré Yoshi. Yoshi no Ya. Non. Ah oui. Ah! Oh. Ah, ça va, t'as le temps de backdash. T'es déçu. Et en fait, tu. Comment tu fais pour capter, toi, ici? Je comprends pas. Je sais pas, c'est ton phone, Verdi. Hein. Ouais, sûrement. C'est le tien. Hein. Ah ouais, c'est le mien. Toi, t'as du réseau qui capte ici, pas moi. Alors que c'est ton phone. Alors que c'est mon téléphone, c'est vrai. Il est stylé le nom. Allez! Je vais y arriver. Donc Dark Souls, est-ce que tu te rends compte de ce que c'est un peu le... Tu vois à peu près? C'est un jeu facile. Oui, c'est ça. Peu de choses près, c'est ça. Faut connaître un peu, c'est tout. Faut un peu connaître, il me semble. Ah, nous, on joue au jeu de baston, les trucs où il faut de l'exé, ça nous fait pas peur. C'est vrai aussi. Donc là, je me retrouve approximativement. Tu patouches dans la zmoule, Verdier, dans la zmoule. Mais saute. Ouais, voilà. C'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, mais... Ah, mais Verdier, bordel. Non, mais bordel de merde. Mais Verdier, putain, mais à quoi je te paye? Ah oui. Ah, ça y est, j'y suis arrivé. Je ne sais pas comment. Ah, mais ça a l'air compliqué à dos, hein. C'est surtout chiant à dos. C'est méga chiant, là, là. Il y a un tapis dans un sens, un tapis dans l'autre. T'as pipi, quoi. Hop là, voilà. Toi, tu vois, c'est parce que t'as dit hop là, t'aurais fermé ta sale c'est gueule. C'est vrai, c'est pour te donner pile poil dit, le mauvais t'aurais timing. Pas dit, voilà, ça, t'aurais pas dit hop là, j'aurais jamais eu le moindre souci. Quand même incroyable ça de dire hop là, parce que moi je dis hop là. Putain, mais quel bâtard. Les œufs hop là. Ah. L'invention du démon. Ah oui. Oh non. La déception, il a réussi. Bah non, moi je suis. Mais n'importe quoi! Mais n'importe. L'épine dorsale a touché! Mais n'importe quoi! Vas-y! Je suis scandalisé de ouf! Et normalement, il y a un checkpoint, hein. Mais... Est-ce que oh, t'es salty? Pourquoi on rigole? Je sais pas! C'est les blancs, ils disent salty. C'est vrai, ils disent salty. Oh, il est salé! Oh ouais! Putain! T'as vu ce qu'il a bouffé? Il est salé, oh, t'es salé! T'es méga salé! Ah oui, bien joué! Putain! Et bah! Un petit jeu salé! Le petit salé! Un petit salé aux lentilles! Oh, c'était mon match-up ça, la cantine! Oh, tu pouvais y aller! Est-ce que si tu vas fermer? Si t'avais un peu de couille au cul, Verdier! C'est pas moi qui ai sucé un clown! Je vais y arriver, car l'esprit est avec moi. Hop là. Hop là. Hop là. Ah. Mais pourquoi? Moi je ne sais pas. Il demande à moi. Quelle raison fait que voilà. Mais prends Yoshi, pourquoi tu vas pas avec Yoshi à je chaque pas, fois? Je peux pas, il saute pas assez haut ce fils de... Fils de stup. Hop. Fils de seul. C'est chaud là non? Peut-être un peu. Ah non, ça va. La hitbox et la earthbox. Tout va bien, tout est sous ramassalé. Contrôle. Tu vois, tu vas à la contre-courant, puis là c'est le bon courant, puis après c'est contre-courant. Ah, ouh, là, attention. Là c'est la défaite. Hein. Ça sent la fin des haricots. C'est pour toi, Verdi. Easy. Ouf. Ah, dommage. Ah, oh là là. Ouais, backdash. Fais pas le con. Ah, Verdier. Ah là là, ça veut pas hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Oh, ça veut pas. Mais vas-y, oh
non, Verdier, putain. Oh, Verdier, bordel, mais branche les déflecteurs là. On peut sauver tes lumières. Mais je branche tout ce que je veux. Je me bats avec le vent. Ah, oh là là, mais tu pues la merde, Verdier. Mais putain, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu branles? Un clown. J'ai branlé un clown, moi j'ai fait le. Ah, je suis convaincu parce que je suis pas drôle et je suis niqué par la haie, tu vois. Oh, oh merde là, là, là. Oh bah là oh, là, 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 là. Oh. Et là, quitte le navire, merde. Putain, je crois vraiment que je me suis enculé le premier. Là, quand je crois que je me suis enculé le. J'ai tombé mes, 120 kilos sur mon poignet. Il a pris cher. Hein. Je sens la transpiration de ouf. Heureusement que j'ai les os poreux. Les os poreux ? Tu sais pas, j'ai envie de dire ça. Les os poreux ? C'est un skill, les os poreux, non ? J'ai les os potamis. C'est comme le mec dans Naruto qui a les os poreux. Il y a ça ? Bah oui, qui se bat contre. Voilà. Rock Lee ? Ouais. Ah, comment il s'appelle ? Les os poreux, Shigimaru. Non, mais non. Ouais, il y a un. Non. Il y a un Maru. Il y a un Maru déjà. Je crois qu'il y a un Maru. Kimimaro ? Kimimaru. Kimimaro. Kimimaru. Kimimaru. C'est ça, c'est Kimi. Ouais, le mec des os là. Le mec des os, il a les os poreux lui. Avant que ce soit plus bien, Naruto, faut le dire, hein, tu fais l'OPSP, hein, on peut les, en parler. Les poils, plus bien. Kimimaro, voilà, c'est ça. Putain. Va te laver, t'as sué. J'ai sué un clown. T'es salé. Quelque part, quand tu sues, t'es salé, hein. Tu sues salé, c'est vrai. Moi, je sue salé acide. D'ailleurs, ma sueur ronge les métaux. Les métaux ? Ouais. Ah, je comme le coca. Tu vois, si... Ouais, comme le coca. Pas... Les coca. Non, mais pas comme le coca, les métaux. Le Coca-Cola, ça sue les métaux. Ah oui, ça sue les métaux, le Coca-Cola. Bah, moi, ma sueur est là, c'est mon pouvoir, en fait. Ah, ce serait un skill, ça, dans Jojo. Sûrement, je sais pas si la sueur qui suit les métaux. En tout cas, ça, c'est mon seul pouvoir de stand. Je suis capable de ronger les poignées de montre en cuir et en métal inoxydable. Hein. Ah ouais ? Ouais, au bout de quelques mois, le métal inoxydable, il tombe dans le vide et il est mort. Je le ronge. Mmh. C'est-à-dire, il y a un trou dedans. Gros super pouvoir. Hein. On va voir si c'est exploitable parce qu'il faut beaucoup de temps quand même pour que ça fasse effet. Et t'as le temps de te rendre compte que tu te fais ronger un peu. C'est Killing Me Softly, hein. Roberta Flack. Oh. J'en ai un peu marre de faire ce stage qui semble facile, mais... Je transpire du coca. Du coca l'âne. Hey, on est content. C'est vrai qu'on est content. Putain, sale stage. Mais... C'est toi qui as fait ça, Bah non. C'est toi qui as fait ça. Mais y'a aucunement, c'est Verdier. Toi qui as fait ça. T'as, Verdier, t'as est-ce touché que à la mablette mec... T'as touché à la mablette. Non. T'as pas touché à la mablette. Non, j'ai. Tu le jures sur le clown que t'as sucé. T'as pas touché à la mablette. Mais je viens de me souvenir qu'on pouvait mabletter. Non, mais casse-toi. Je viens de me souvenir. Oui, c'est vrai. Je touche plus. Je touche plus. Pardon. Pardon, Verdier. J'ai oublié qu'on pouvait maneter aussi avec le. Oui. La mablette. C'est ça. La mablette. J'avais oublié. T'avais oublié, toi t'es un mec. J'avais oublié. Toi t'oublies vite hein, quand même. C'est incroyable le nombre de choses que t'oublies. T'as oublié de me ramener mes Jojo, je parie. Ah, mais non, je les ai. Voilà. Tu les as ? Je les ai. Bah, mais chez toi. Je les ai. Voilà. Mais tu les as. Je les ai. Mais faut que j'ouvre les cartons, après c'est bon. Et je suis trop fatigué pour faire ce stage, tu vois, je... Mais donne, moi, je te... Mais non, je suis trop fatigué. Oh là là, bah, je peux jouer en coop. Non, tu peux pas, non, on peut pas jouer en coop, non. En coop, allez, c'est tu fais les flèches, je fais les sauts. Ah, bah voilà, on peut pas te faire confiance. Fallait rester appuyé. Ah oui, fallait rester appuyé. D'accord, vas-y, on peut le faire. Ah oui, là, c'est moi qui saute. Ah, c'est, je dois appuyer en haut, c'est vrai, bah c'est moi les flèches. J'appuie en haut, hein, là, ça marche pas. Mais t'appuies mal. Non, j'appuie en haut, je t'assure. Ah voilà. Bon, j'appuie en haut, hein, j'appuyais complètement en haut. Bon allez, vas-y. Mais tu cours pas là. Ah si, je cours. Je suis à fond. Seulement tu fais pas.
assez. Tu vois. T'es sûr? Ah ouais, complètement. Bah cours. Bah j'avance là. Ah mais si je dois courir ou pas? Ah je sais plus. Attends, c'est quoi courir? Vas-y, vas-y, je cours. Tu cours, d'accord. J'appuie le cours. Ah bah là c'est mort. Mais là, t'as pas couru là. Bah c'est pas X pour courir? Si c'est X. Bah moi, c'est moi je fais les flèches, toi tu fais les boutons. Bah ça a pas marché. Je sais pas si c'est un problème de flèche ou un problème de bouton là en fait. Vas-y, je cours, je saute. D'accord, tu cours, tu sautes. Allez, saute, tu cours. Mais tu cours pas là. Je cours, tu sautes. C'est moi qui cours alors, c'est pas toi qui cours. Bah vas-y, je saute. Hop. Donc je cours. Vas-y, je cours, tu sautes. D'accord. C'est moi qui saute. Parfait. C'est trop facile de courir. Bah oui, là c'est facile de courir, bien sûr. Hop, tu vois, c'est mais pas... Mais tu cours pas assez. Eh bah, c'est ce que... Mais non, oulala, Adine. T'assures que tu cours pas assez. Sur la vie de Shaitan. Cours regarde, plus. Je suis enfoncé, hein. D'accord. Je touche pas. Non, t'as arrêté. Bah, regarde. Ah ouais, bah, on peut pas jouer à deux comme ça, c'est pas possible. Peut-être qu'il y a un micro-lag quand ça switch, ouais. En fait. Ouais, c'est ça. Quand ça switch manette et c'est trucs. Ça, exactement, ouais. Et du coup, ça marche pas. On a fait une découverte. Par contre, on peut jouer comme ça. Comment ça? Bah là, je cours. Ah, je fais des flèches et toi tu fais des flèches comme ça. Ah, vas-y. Et là, cours à fond, pas à fond. Et là, faut que tu sautes. Ah, voilà, oui, d'accord. Donc, c'est bien ça, c'est le lag qui nous tuait. Hop. Ah, mais là, il faut. Ah, bah oui. Oh, on l'a rattrapé, hein. Oh, vite. Yoshi. Attends, saute pas. Vas-y. Ah là, bien joué. Ouh, tchou. Là, faut prendre l'élan. Vas-y. Sur Verdier, fais pas le con. Putain, Verdier, mais. C'est toi qui t'es pas assez bien aligné avec le truc. Je fais un dernier essai, ensuite pub, parce que ça y est, tu m'as énervé. Après, je suce des Américains. Je fais un 100% américain. Avec que des stages américains. Tu sais ce que c'est un stage américain? C'est quand tu suces un clown américain. Quand tu suces Crustier. Oh là là. Non mais tu crois que j'ai raté, mais en fait c'était pas le vrai dernier essai, c'est ça que tu sais pas en fait. Oh là. C'est ça que tu sais pas. Oh là. Tu le sais pas, mais regarde. Le stage il est déjà baisé. Hey. Il est déjà terminé avant même d'avoir commencé les films. Hey. Voilà. Pourquoi? Ça va, il meurt pas au moins. Non, il reste en vie sur les pics, donc il va souffrir toute sa vie, mais il restera en vie. C'est ça qui est bon. Ah, là ça passe. On rappelle le dernier essai. Oh, mais c'est trop dur les tapis roulants. Ouais, non, mais ça c'est vrai que c'est bâtard. Ok. Normalement, je passe 1, je passe 2. Le pénitent le passe. Je passe 3. Et là, il faut sauter récupérer ça. Oui, bien, ouais, je nadège. Et là, easy. Et là, voilà. Ça ne passe carrément pas, hein, on est d'accord. Non, l'a fait. Je pense que t'as sauté un poil trop tôt. T'as l'avatar, mais complètement le mi là. Le biou. Je vais mettre des pubs. Et regardez si Mister MV il est arrivé. Pourquoi? Parce qu'à 17h il est censé streamer et j'ai pas de nouvelles de lui. Ah, il est 17h là en fait. Bah ouais. Donc on va faire la deuxième coupure pub et on se retrouve après pour plus de saveurs et la tentative. Pourquoi pas? La tentative d'un 100 man expert full US. On a testé les Japonais. Oui. C'est pas très bien. Les Européens, c'est nul. D'accord. C'est, tu vois, c'est juste nul. D'accord. Il y a que les Allemands qui sont un peu schnapps. Et maintenant on va tester les Américains, voir si eux ils ont quelque chose dans le slip. Ouais, a priori ils sont plus nombreux donc il y aura plus de chance qu'ils aient ça, c'est qu'il y ait des mecs forts. Les deux. Donc on verra bien. Bien. Cube, et à tout de suite pour le test des 100 man experts américains. Tu sais, j'ai le jingle, t'as vu, moi aussi, regarde, t'as vu? Regarde, je peux l'envoyer. Alors normalement, ça le fait. Ah, je crois que j'ai fait planter XSplit. Ça t'arrive des fois d'appuyer sur le jingle et ça fait planter XSplit? Moi, ça m'arrive d'appuyer n'importe où, ça fait planter. Non, mais là, c'est pas normal, regarde, t'as vu? Ah, c'est possible, regarde, ouais. Fallait pas jouer au con. J'ai juste voulu lancer un jingle de merde. T'as joué au con. Ah, mais là, on est bloqué, là? J'en sais rien, moi.
qu'est-ce qu'on va faire? Comment je lance les plumes? Je suis bloqué, XP ne veut plus... Tu vois, ça marche, mais il n'y a plus aucune réaction. Ouais, peut-être qu'il n'y a plus de net, des fois ça a fait ça quand le net s'en va. Quand la petit bot qui va... Voilà. J'ai plus de réaction, j'ai rien, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe du coup, bah... j'ai tout baisé. Il a tout baisé. Tout baisé dans ma main. Ah non, j'ai plus accès à XSplit. Ah non, là c'est le sourdier qu'il faut faire. Bah je sais pas quoi faire. Ah, le Canada, je compte le Canada. Oui, bien sûr, je compte le Canada. Le Canada que... J'ai lancé le gestionnaire de tâches, ça en bat les couilles. Oh, Windows 8, c'est le mal, hein. Ouais, j'avoue, putain, pourquoi il passe pas en 10, là? Ouais, ou laisser le 7. Ou laisser le 7, c'est ça. Le 7, il y a tout qui marche. C'est ça. En fait, c'était trop bien que tout marche. Ouais, c'est ça. Bon, bah là, j'arrive pas à... Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire, du coup. J'ai envie d'arrêter la diffusion, mais je ne peux pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? J'ai envie de dire... Ah merde, faut rester appuyé. On fait quoi? Je ne peux... Je n'ai plus accès à mes scènes de XSplit. Fatal Rewind sur la TV2, tout à fait, tout à fait. Donc... Non, j'y vais là, après la pub, si j'arrive à la lancer un jour. Parce que là, globalement, je nous vois, mais XSplit ne répond plus. Donc on fait comment? On fait... Je pense qu'XSplit a sucé un clown. Mais n'importe quoi. Non mais je ne sais pas. Là... J'ai voulu lancer un jingle, il a fait non. Bah écoutez, je ne sais plus. Je vais couper, hein. Je vais couper, hein, désolé. Ça va reprendre après, mais il va y avoir un crash. Donc ne paniquez pas, tout va crasher. Et ensuite, bah tout reviendra comme avant. Ah c'est con, parce qu'il y avait la meilleure partie de ce stream. Elle était là, et le local record...